tout le monde, c'est moi qui vais ici. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo où, cette fois, je vais vous montrer une petite méthode pour avoir des vues par vidéo, plein de vues par vidéo. Alors, attention, déjà, je ne suis pas le genre de personne à vous montrer des sites qui vous montrent des subforces ou tout ça. Je suis contre ça, je suis pour l'humanisme, l'humanitarisme, appelez ça comme vous voulez, mais moi, je ne suis pas pour les robots. Alors, déjà, petit avertissement, cette méthode ne va pas vous amener des vues constantes, c'est-à-dire par vidéo, vous préférez 10 vues, d'autres 100 vues, 1000 vues, mais je vous préviens aussi, je ne fais pas ce genre de choses parce que personnellement, je n'en ai pas besoin, je préfère grandir tout seul. Mais pour les personnes qui sont vraiment impatients ou qui veulent juste... désolé pour le terme impatient, mais bon, je suis désolé. Donc, les personnes qui veulent avoir beaucoup de vues rapidement, si vous voulez, ce genre de terme. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis. Et c'est parti. Donc, on peut commencer. Alors, ce que vous allez faire d'abord, vous irez sur le lien dans la description, videasme.com, c'est un site français, bien sûr, donc il n'y aura pas de type anglais qui vous regardez vos vidéos. Ils comprendront rien de ce que vous faites, c'est juste un site entièrement français. Donc, faites vous connaître sur YouTube et montrez votre réel talent. Donc, ce que vous ferez d'abord, vous appuierez sur « Commencer maintenant ». Alors, ça va vous demander, ça va vous faire créer un compte et tout ça. Après, normalement, vous commencerez avec quelques crédits, je sais pas, 4, 5, 3, je sais plus. Donc, ce que vous ferez, c'est que au début, vous irez d'abord dans Visionneur, Visionneuse d'abord pour avoir des crédits. Ce que vous ferez, c'est que vous regarderez des vidéos, donc vous prendrez cette vidéo, vous devrez la regarder le nombre de temps qui sera noté ici. Par exemple, moi, je vais enlever ce volume. Donc regardez, plus le temps passe, plus il y aura la vidéo qui va passer. Donc voilà, donc vous pouvez mettre en pause mais quand vous mettez en pause, le compteur s'arrête, mais quand vous reprenez, le compteur reprend. Donc vous devrez attendre, je sais pas, 30 secondes, ça dépend de la longueur de la vidéo. Généralement, quand vous faites ça, vous pouvez monétiser aussi votre vidéo. Donc, si votre vidéo est monétisée, il suffit d'appuyer ici pour pouvoir la monétiser. Et après, maintenant, aussi, vous pouvez regarder le type de vidéo que vous voulez regarder. Par exemple, ça peut être jeux vidéo et autres, blog, people, humour, divertissement, pour que vous regardez au moins des choses qui vous plaisent au lieu de regarder des choses que vous êtes contraint. Donc, voilà. Donc, dès que vous verrez le petit... Ok, attends, j'arrive. Donc voilà, quand vous aurez fini de regarder votre vidéo, vous aurez cette espèce de petite case verte qui apparaîtra avec cette coche qui vous dit que vous avez bien regardé la vidéo les 35 secondes ou les 25 secondes, ça dépend de la vidéo. Donc vous aurez gagné un crédit, donc on va réactualiser, vous verrez. Vous aurez un crédit de plus. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord aller dans vidéo. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans ajouter une vidéo. Donc lien, donc voilà, vous aurez le lien de la vidéo ici. Donc voilà. Ce que vous allez faire, c'est que vous mettrez le nombre de crédits. Attention, les crédits, vous ne pouvez pas mettre plus de crédits que vous en avez. Donc si vous mettez 6 sur que vous avez 5 crédits, ça ne marchera pas. Donc voilà. Donc vous allez mettre déjà 5 crédits. Donc vous allez valider. Et maintenant, ce que ça va faire, c'est que maintenant le nombre de crédits que vous avez, ça veut dire ici, 5 crédits, ça vous offre 5 vues. Donc du coup, ça risque d'être assez long pour avoir par exemple 50 vues par vidéo. Vous devrez regarder au moins 50 fois cette chose, mais c'est au moins honnête, ça vous fera des commentaires, des abonnés, voilà. Donc comme vous le voyez, j'ai essayé plusieurs fois pour comprendre à peu près comment ça marche, mais bon, je ne veux pas garder ça parce que personnellement, je ne pense pas que ça servira à grand chose. Si vous dépendez de ça, après, vous n'aurez pas beaucoup de vues, qu'on vous arrêterait de l'utiliser. Donc voilà. Donc personnellement, j'ai arrêté. Donc voilà. Donc je pense que ça, c'est suffisant pour vous aider. Je pense que vous arriverez à vous débrouiller là. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager avec vos amis. Et on se dit peace, les gars.